les aigles se rassemblent. Lettre du samedi 28 janvier 2023 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voix du septième ange. Chère petite Vierge de Christ, le petit troupeau, la parole. Nous ne pouvons pas être autre chose. Nous ne pouvons pas entendre autre chose. Nous ne connaissons rien d'autre. Nous ne voulons rien d'autre. Où que soit la viande fraîche, appuyée sur lecture qui est la parole de la saison, là s'assembleront les aigles. La parole prend vie en nous. Nous ne sommes pas pareils à tous les autres. Vous êtes un peuple à part, saint pour le Seigneur, consacré à la parole et à l'Esprit de Dieu, afin de porter le fruit de sa promesse pour ces jours-ci. Nous avançons vers la maturité et mûrissons continuellement en écoutant la voix de Dieu. Le prophète nous a dit de nous référer à ses bandes. Si vous avez un magnétophone, réunissez un groupe de personnes. Passez cette bande et écoutez attentivement. Écoutez sa voix, ce qu'il nous dit. La parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation. Il fait l'interprétation par lui-même. Je suis la voix de Dieu pour vous. Écriture. Et c'est ceci, la Bible. Pas un seul mot ne doit y être ajouté ni en être retranché. Tenez-vous-en strictement à cette voix. Elles ne suivront pas un étranger. Fin de citation, frère Joseph continue. Comment quelqu'un peut-il ne pas voir le moyen pourvu par Dieu pour aujourd'hui? Mais gloire à Dieu, nous pouvons le voir, car nous sommes élus à le voir. Nous ne serons pas séduits, et nous ne pouvons pas l'être, parce que nous sommes sa parole manifestée. Frères et sœurs, laissez pénétrer ça un instant. Nous sommes la parole manifestée. Dieu lui-même, qui parle à travers des lèvres humaines, nous dit que nous sommes la parole. Nous n'avons absolument rien à craindre. Tout ce dont nous avons besoin nous appartient. Chaque semaine, nous sommes dans une grande attente de voir le Seigneur nous visiter. Nous n'avons pas de place ici pour faire asseoir tout le monde. Et tout le monde ne peut pas non plus venir à Jeffersonville. Alors nous devons simplement leur transmettre la parole au moyen de l'Internet. Nous sommes dans nos foyers, dans nos églises, dans nos voitures, réunis autour de nos petits microphones de partout dans le monde. Nous attendons la venue du Seigneur. En Afrique, ils se rassemblent avec nous. Ils attendent la venue du Seigneur. Au Mexique, ils se rassemblent avec nous. Ils attendent la venue du Seigneur. En Europe, en Scandinavie, en Australie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, des quatre coins du monde, ils attendent la venue du Seigneur. Et nous sommes rassemblés ici dans notre église, le tabernacle, nous attendons la venue du Seigneur. Beaucoup d'heures nous séparent dans le temps, mais nous formons un seul bloc de croyants qui écoutent la voix de Dieu, qui attendent la venue du Messie. Nous sommes le peuple de Dieu qui a été choisi et appelé à sortir de cet âge mauvais pour qu'il porte son nom. Nous sommes éprouvés et mis à l'épreuve pour prouver à Satan que nous sommes la parole. Nous sommes une partie de cet arbre épouse originelle. Nous voyons notre vie se manifester par cette parole. C'est facile pour tout le monde de croire que Jésus était la réponse directe à chaque prophétie qui devait s'accomplir en lui. Parce qu'il regarde en arrière pour constater que c'est arrivé. Mais dans cet âge mauvais, les gens font la même chose qu'ils ont faite à cette époque-là. Ils en ont une interprétation différente. Et ils ont amené les gens à s'abandonner à une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. S'ils pouvaient simplement se rendre compte que c'est la même parole qui est manifestée pour cet âge-ci. Il n'y a qu'une seule chose qui peut réunir l'épouse, ce message. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle nous pouvons tous nous mettre d'accord, ce message. Il n'y a qu'une seule voix qui a été confirmée comme étant l'ainsi dit le Seigneur, la voix de Dieu sur bande. Écriture. Or, simplement des églises froides, formalistes, empesées et tout le reste, basées sur une théologie faite de main d'homme,
Ça, les élus n'y prêteraient jamais attention. Mais là, c'est presque comme la chose véritable. Laissez juste un mot de côté, c'est tout ce que vous avez à faire. Promis pour ce tâche, un temps très important. Chrétiens, partout, prenez garde à l'heure où nous vivons. Notez, lisez et écoutez attentivement. Fin de citation, Frère Joseph continue. Le Dieu de cet âge mauvais fait tout ce qu'il peut pour séduire les gens en les empêchant de voir sa voix confirmée. Il essaie de leur faire douter d'un seul mot comme il a fait avec Ève au commencement. Mais l'épouse parole de Christ progresse vers sa tête. Nous nous unissons de nouveau à notre compagnon, là d'où nous sommes partis. Le temps de l'exode est proche. Dieu vient chercher son épouse qui s'en tient à sa parole. Écriture. Le Saint-Esprit est ici, en train d'appeler une épouse pour Christ. Il le fait en lui confirmant sa parole promise pour cet âge-ci, démontrant qu'il s'agit bien de Christ. Fin de citation, Frère Joseph continue. Il n'y a rien de plus grand que d'être uni avec l'épouse de partout dans le monde, écoutant la voix de Dieu vous parler directement. Nul besoin d'espérer ou même de prier que ce que vous entendiez est la vérité, ni de vous demander si ça l'est. Car c'est la seule voie confirmée comme étant l'ainsi dit le Seigneur. Venez vous joindre à nous pour écouter. Écriture. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Fin de citation. À midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons le Dieu de cet âge mauvais. Du premier prêché, le premier 8e mois 1965, Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire avant l'écoute du message. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 27, versets 15 à 23. Luc le chapitre 17, le verset 30. Jean le chapitre 1, le verset 1. Jean le chapitre 14, 12e verset. Acte le chapitre 10, 47e au 48e verset. 1 Corinthiens le chapitre 4, versets 1 à 5. 1 Corinthiens le chapitre 14. 2 Corinthiens le chapitre 4, versets 1 à 6. Galates le chapitre 1, versets 1 à 4. Éphésiens 2, le verset 1 à 2. Éphésiens 4, le verset 30. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, verset 2 à 4. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, verset 11. Hébreux, chapitre 7. 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 3, verset 10. 1 Jean, chapitre 4, verset 4 à 5. Apocalypse, chapitre 3. Verset 14. Apocalypse chapitre 13, verset 4. Apocalypse chapitre 6, verset 8 et 11 et 12. Apocalypse chapitre 18, le verset 1 à 5. Proverbe chapitre 3, verset 5. Enfin, Ésaïe 14, verset 12 à 14. Que Dieu vous bénisse richement.